Bonjour à tous, à toutes, je suis Rélus et aujourd'hui la suite de Neverwinter Nights. J'enregistre la session juste, quasiment juste après celle que j'ai enregistrée. D'ailleurs, je tiens à le dire actuellement, je suis en train de faire les rendus de la dernière session, donc il se peut qu'il y ait des micro-coupures le temps que je fasse les épisodes à la suite. Mais là, on est à la fin du chapitre 2. J'ai résolu le petit problème que j'avais sur le PC d'avant qui ne lisait pas très bien les cinématiques entre chaque chapitre. Le problème a été résolu, donc ça ne devrait pas poser de problème. La dernière fois, on a tué le Baran qui avait quelques problèmes au niveau nécromancien, qui voulait faire pas mal de choses très très pas gentilles. Je suis passé aussi pour réorganiser mon inventaire. J'ai viré quelques sorts parce que ça me prend quand même pas mal de place. Et donc, on va s'attaquer à la Tour des Arcanes, ce qui est possiblement le dernier endroit avant la fin du chapitre 2, qui devrait être normalement la fin du chapitre 2. Mais d'abord, il me faut un laissez-passer ou Nous un avons la faux. chance que vous ayez découvert que la secte se cache au sein de la confrérie des Arcanes de Luskan. Nous comprenons désormais pourquoi ses membres sont si puissants. Ouais, et j'ai ici le sceau parce que j'ai besoin des sceaux des hauts capitaines pour qu'ils m'en fassent un faux. Sauf que là, j'ai les deux sceaux. Excellent travail, mon ami. J'ai fait établir un faux document faisant de son porteur l'ambassadeur de la Mulorande. Je sais pas ce que c'est. Il suffit ensuite de transférer le sceau d'un document à l'autre, comme ceci. Et voilà. Waouh, j'ai gagné 1000 d'XP! Ce faux devrait alors vous permettre de passer les gardes du pont ainsi que les protections magiques. Mais une fois à l'intérieur, je vous conseille de ne pas trop compter dessus. Bah, j'espère. La tour se dresse sur une île, mais le pont est bien, bien peu de chaud. On sait, nul ne sait si vous réussissez. Partez maintenant. Yes! Alors, parfait. Alors, grâce à Nana, la vie du polymère, ici un important contingent de garde et de protection magique qui empêche les indésirables de franchir le pont qui mène à la tour des arcanes et à se fabriquer, faut se passer. Et se faire passer pour de dignitaires étrangers. Et voyons voir ce fond. Oh! Ouh! C'est tellement beau. Du coup, j'ai perdu un de mes sceaux. Du coup, j'en ai toujours un. C'est pas mal. Et c'est cool même. Donc je vais le garder. Alors, j'ai toujours la tête de Baran parce que Rain ne veut toujours pas, ne veut toujours rien savoir. Ça m'énerve. Donc, pas le choix. Alors, direction la tour des Arcanes. Qui est le pont. On prend à gauche, puis à gauche, et c'est bon. Ah, j'ai vu un mob. Mais on va faire comme s'il n'existait pas. Ici. Oh, magnifique gargouille. Très bonne facture. Ah, on y va. Ah, attends, 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 attends. Salutations. Alors, sinon, on n'a pas le droit de... J'ai ici les papiers nécessaires. Comment? Un joueur qui frappait du sceau, il est magique. Il est magique, donc impossible à refaire. Très bien. Ah, 250. Attends, 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 parce que des fois il met des trucs. Du coup, j'ai juste augmenté de 1. Voilà. Et au cours de ces dernières semaines, mais aucun ne me l'aide aussi loin que vous. Merci. Allez, qu'est-ce qui m'attend à la tour des arcanes? La cour, ok. Ok, petite cour. Lisons quand même le journal. Alors, là, la rue semble avoir fonctionné. Ouais. Je suis passé. Alors, attendez, je vais quand même faire le tour. Je vais faire le tour quand même. On ne sait jamais. Ah, il y a des rituels. D'accord. Je vais avec... Bienvenue à vous. Je dois voir votre laissez-passer, si cela ne vous dérange pas. Ok, le voici. Ça semble un voyage particulièrement long, on en fout une.
Ah, persuasion bluff? Yes! Je suggère de prendre la suite vide juste à votre droite. D'accord. Ah. Quel est le nouvel archimage? Arklengret. L'ancien archimage, j'aime bien. Ah là, vite. Récoltons les informations. Au revoir. Oh, monseigneur. Oh, merci. Allez, on y va. Quartier des ambassadeurs. Maintenant, il va falloir lâcher. Là, je vous ai très fin. Je vais faire comme il m'a dit, passer à droite. Il y a les gardes animés. D'accord. Bon. Je suis quand même là pour détruire du stream. Et voir ce qui se passe. Hein. Donc on va crocheter. Premier coffre. De la merde. Oh, carte de sagesse. Ah. Pourquoi vous venir ici? Moi, orc important. Pas vouloir être dérangé. Ah, d'accord. Qui êtes-vous? Voilà. Persuasion. Yes. Ouais. Oh. Quoi? Comment arrive-t-il? D'accord. Ok, au revoir. Ok, il y a un garde. Je vais laisser ta porte comme ça. Pour l'instant, on va essayer d'être assez discret. Ne pas faire nous remarquer. Pas tout de suite les remarques. Oups. On va éviter de se le faire. On va éviter de se faire repérer et d'avoir des problèmes dès le début. Madame, bonjour. Qui êtes-vous? Oh. Un des serviteurs de ces maudits mages, j'espère. Non. Qui êtes-vous? Que voulez-vous dire? Oh putain. Oh si c'est ça. Ah mais je me marre. Oh putain, vraiment. Je vous trouve sensationnel. Non, je veux juste me montrer amical. Oh, mais j'arrive pas à croire ce qui se passe. Encore? Oh là là, que vous a-t-il promis? Bon, bah, au revoir.
Oh la vache! Ah mais cette blague. Oui. Non, je crois que ce soit. Non, Dana. Attends, non, pas Dana, reviens. Voilà. Alors. Un homme pourtant contre le garde. Ouais, bon, ça on sait. Pour le moment, ça je le sais. Je peux prendre la barrique, s'il te plaît. Je prends ça, hein. Tu t'as rien vu, hein. Je te trouve très sympa. Je vais aller là-bas. Je voudrais juste ouvrir la porte. Ah. Merde. Oui. Bon, bah... On m'a dit la suite à droite. Bon, bah... La suite à droite, quoi. Bon, voilà. Bon. Bon, Dana, on fait quoi? On se pose, une partie de carte. On se la met. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on se fait chier. Il y a un garde là-bas qui nous aime pas trop. Donc techniquement, ce serait lui qu'il faudrait tuer, mais j'ai pas trop confiance. Et tu sais quoi, on va essayer. On s'en fout. On a rien à perdre. Ça se trouve, ses potes, ils vont pas nous voir. Ok, Dana, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Prenez garde à ma colère! C'est quoi ces golems nuls? Enfin, ces gardes nuls? Ils ont rien entendu. Ok, ça... C'est déjà pas mal. Oh oh, une lettre à Rives. Cette lettre a été écrite d'une main délicate. Ma chère dame Rives, maître Morgan m'a demandé de vous informer la façon de vous déplacer dans la tour des arcanes. Haha. Cher, vous savez, mais une grande partie de la tour des arcanes n'est pas reliée de façon normale. Cher, la téléportation. Hein. On serait dans les quartiers des ambassadeurs. On trouverait le premier téléporteur dans la dernière pièce. Il suffira de toucher le téléporteur et d'annoncer la destination souhaitée pour que la voie soit ouverte. Deuxième niveau, elle ouvert à tous, mais vous devrez aller. Il y a une pierre réunie pour accéder aux autres. Le portail, il faut ouvrir le reste pendant une demi-minute. Pressez-vous de franchir, je joue à cette une pierre réunie. Une pierre réunie? Ouais, elle est où? Ah ah! Sorte de joueur intime, il y a plus, il semble attaqué par arriver sur personne, la dernière entrée particulièrement intéressante. Morgan m'a signé les quartiers des compagnies des ambassadeurs, mais j'ignore pour combien de temps il m'a dit qu'il vénère. Hein? J'ignore s'il dit qu'il est vrai ou non, je ne sais rien de plus que de ce fait. Elle me harcèle en permanence, dans mes rêves, même en rêve, je crois bien que je comment il a parlé mille fois. Je prends. Et la clé, ah ah! Parfait. Bien, bien, bien. Bon, alors, on a la clé. On a la clé et personne ne se doute de rien. Les gardes sont assez faibles niveau vie. Passe d'Alain pendant que je referme la porte. Nous devons être discrets. Ah. Ah. Bon, tant pis pour la discrétion. Putain, il me met un chat garou. Wouah. Qu'est-ce que c'est que cette magie nulle? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je pense qu'on va avoir. Prenez garde à ma colère! Attends. Ah, lui! Dada! Merci! Il y a un coffre! Attends, je la déverrouille. T'es prêt Dana? Oh. Là, il y a un coffre. Vas-y, occupe-toi-en pendant que je fouille ce coffre piégé.
Je prends une potion et je suis à toi. Go Dalin, go 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 go. Oh l'attaque nulle. C'est tellement faible. Allez, on se les fait tous Dalin. Je suis sûr qu'il y en a encore un ou deux. Non, c'est bon. Bien, ça c'est fait. Des cailloux. Des flèches. Bien, bien, bien. Reposons-nous un instant. Bon bah ça va, ça a pas l'air trop dur. Ça a pas l'air très dur même. Oui. Puis-je quoi que ça... Non, pas toi. Niveau 2. Oups. Vite, il se passe des choses. Un slide vert. D'accord. Ah, une langue de slide. Bien. Faisons le tour. Il y avait un piège. Très bien, un portail pour changer de niveau. Ah. Non, d'accord. Pour revenir au niveau 1, très bien. Il y a une porte, là. Un cadavre. Collier, je prends. Ici. Une petite araignée blasphème. Voilà, c'est quand tu veux, hein. Soleno Samatka. Dalin. Allez. Ouais. Il s'est mis un bouclier, il me semble. Ouais. Allez. Dalin ne sait pas traverser une porte. Énervant tout cela. Bah voilà, d'armure, allez paf. C'était plus rapide quand t'étais devant. Bon. Qu'y a-t-il lui? Oh. Oh. Je prends. Alors protection plus 2. Un bâton magique. Oh. À moi.
Ah, une pierre de portail niveau 6, what? Je prends. Ah non, ça veut dire que je vais me taper des étages random. Ah non, ouais.